Je suis rentré en Haïti à l'âge d'un an. Et j'ai vécu avec mon grand-père à la Lune. Comme assistant du général Butler, il y avait Chevalier, André Chevalier. Donc nous étions voisins limitrophes, donc il venait raconter tout ce qui se passait. Les Américains étaient là, maintenant ça a été, ils ont fait les élections. J'ai assisté aux élections de Latignan. Et pas d'arbre du tout planté. À droite, il y avait ce qu'on appelait les tribunes en fer. Et devant ces tribunes, c'est là que l'armée haïtienne, l'armée des va-nu-pieds, des sans souliers pauvres diables, avec des rayons, faisait leurs exercices. Ça intéressait tous les enfants qui allaient assister. Où il y a eu une bataille très sérieuse. Ils ont été décimés par les voitures blindées qui pensaient pouvoir prendre avec. Ils rentraient sur les machines blindées avec leurs manchettes. Ils ont été décimés. Et ils se sont repliés en laissant commencer par Damien. Ensuite, attirer les élèves des lycées, des autres écoles, et ça a pris une ampleur extraordinaire. Plus de 50 000 personnes ont défilé au Champ de Mars. Parce que tonton Emmanuel prédisait la chute de Vincent pour la semaine suivante, ce qui n'est jamais arrivé. Il était candidat à la présidence parce que tous les anciens haïtiens, surtout les généraux et les ceci, ceux-là, étaient tous des candidats à la présidence. En ce moment, on a besoin d'être général, tout un chacun est candidat à la présidence. 40 millions, pour de somme. Et les députés ont voté à l'unanimité pour nommer Lescaut.
sur des tap-tapes de petites couleurs. Et les couleurs ont continué, les dessins ont augmenté. Et ces jours-ci, nous sommes fascinés par les tap-tapes. Naturellement, on voit l'influence de la religion partout, des phrases bibliques un peu partout. Et c'est à qui ferait le plus joli des tap-tapes. Lors des manifestations de rue, Godreguzi a essayé de porter les patrouilles, à tirer sur la foule. Nous n'avons pas tiré sur la foule. Il y a nos mères qui venaient nous chercher à l'école, à cette époque-là, parce qu'il y avait des mouvements de foule dans les rues, etc. Et je pense que dans ma vie, c'est la première fois que j'ai entendu prononcer le mot « révolution ». Il y a aussi des aspects très, très festifs hein, de cet événement-là. Le peuple dans les rues, certains dirigeants du régime dont folkloriquement on faisait l'enterrement. Ils voulaient faire des choses pour frapper l'imagination du peuple. Ainsi, l'exposition qui, en somme, a donné une figure à Port-au-Prince, qu'on le veuille ou pas. Mais qui aussi a dérapé l'esprit de vol dans ce pays. Parce que c'est à partir de cela qu'on a commencé à croire que les recettes de l'État appartenaient à ceux qui les maniaient. Les élections auraient dû être décrétées dès 1955, ce que Magloire n'a pas fait. Donc le problème se posait à quelle date exactement il devait quitter la présidence. Selon la Constitution, c'était en mai 1956 qu'il devait être remplacé. Il n'a pas organisé les élections, mais comme il a été élu en octobre 1950, et qu'il avait prêté serment en décembre 1950, pour ces 6 années, il estimait que c'est en décembre qu'il devait quitter. Mais il ne l'a pas dit. Il y a eu un remous sérieux. C'est-à-dire, la vie politique est constamment mobilisée sur cette question de succession présidentielle. Avant décembre 1956, Magloire nous réunit pour nous dire que ce sont poulains. C'est du et Clément Jumel. Donc tout le monde savait que Clément Jumel va être président, c'est la politique haïtienne. Il est retourné pour dire qu'on plus de jeunes. Alors je répète en créole, si je n'ai fait jeune, je n'ai gardé le tout. Là maintenant, Cantave est furieux. Il envoie Cantave au Fort Dimanche. Il n'avait plus l'appui des officiers, particulièrement les officiers qu'il choyait. Il fallait qu'il parte. Le tiraillé par les candidats qui voulaient tel ministère, Joseph Nemours-Pierre-Louis donne sa démission. Il voulait prendre le pouvoir par la violence. Des bombes éclataient dans toute la ville. Il fallait par la terreur. Le carnaval, il commençait d'abord sous Bordeaux. Parce que nous changeons les petits, nous avons mené nous garder le carnaval. Mais sous Vincent, il vient prendre l'autre en pleurs. Il vient prendre les chars, parce que sous Bono, ça est bon, bien déguisé, et puis deux ou trois voitures décorées. Avec l'accordéon, etc. A bailar el carabiné, a bailarlo en la punta del pie, a bailar el carabiné, a bailarlo en la punta del pie. Cara, tú te has comprado jabón, pa' que lave tu camisón y te metas en un rincón. Saint-Honoré, Antoinette, c'est là où t'es été. Histoire avec Histoireville, en absence de l'État. Son gros bête, son gros pieuvre, et puis. Et chaque fois que nous avons des cordes et nous avons des gens tâche la paix, nous avons son pieuvre qui peut aller dans toutes directions. Ah.
Et tout de suite, nous allons lever et mettre devant pour vider ma tête pour dire que je ne suis pas rien. Nous manquons de sécurité dans le pays de Port-au-Prince. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut nous jouer un travail, ouvrir un côté, un travail pour nous jouer un travail pour nous travailler. Si je ne vais pas jouer un travail pour le faire, moi-même, je ne vais pas cacher ta bonne arrière. Peut-être que dans 10 ans, on a 4 millions. Mais en même temps que son problème, son richesse tout. Parce que son ville qui gagne 60 à 70 % de jeunes. Et jeunes, c'est l'avenir.